on a commencé à libérer sur certaines installations des oiseaux qui servaient d'appelant, pas loin d'une maison. Et là, il y a des gens qui sont sortis avec une violence terrible, je dois dire, et qui nous ont agressés à coups de bâtons, de pelles, voilà, et qui ont pris la caméra de France 2. Il a fallu que les gendarmes, plus tard, la récupèrent. On avait quatre voitures. Les quatre voitures ont eu les pneus crevés. Et puis, c'était un peu chaud, quoi, c'est sûr. Mais vous savez, il y a une explication à ça. Simplement l'impunité. Il y a un braconnage qui est toléré, tout le monde le sait. Et vous vous rendez compte que sur le terrain, alors que le ministère est parfaitement au courant de la situation et que j'ai prévenu, eh bien ça ne bouge pas. Voilà. Et ça, c'est pas acceptable à quelques jours de la COP où on parle tant de biodiversité et de climat.